langue créole un outil pour développement durable. C'est sous thème ça Académie créole haïtien lancé officiel mois langue et culture créole journée vendredi 6 octobre 2023. Vice-président Académie créole haïtien Rosilia François Koney, dans discours circonstance, dénoncer difficulté population en jeune pour trouver service en dedans administration publique dans langue créole. Qui décide de continuer à faire résistance par rapport à la tendance générale qui montre que la langue créole doit continuer à occuper plus d'espace tout partout dans le pays. Dans ce sens, Académie créole haïtienne a dénoncé les actes de violence, droits linguistiques, chaque jeune haïtien en Haïti. Il n'est pas possible pour l'école, la justice, l'administration publique ou l'administration privée continuer à passer droits linguistiques à toute population en papier, les offrir aux services aux besoins dans la langue qu'ils parlent à comprendre la langue créole haïtienne. En pile bel chant, bel texte à danse folklore t'a metté langue à culture créole là en valeur. C'était occasion pour membre directoire Académie créole haïtien te honorer trois moun sa yo pour contribution yo dans langue créole haïtien. Honneur et respect pour académiciens à honorer. Chaque académicien sa yo est important pour nous en pile. Un bat bravo pour vous. Activité culturelle à conférence débat sur langue créole haïtien. C'est parmi diverses activités Académie créole haïtien pral organisé pendant le mois d'octobre là pour marquer journée internationale langue et culture créole là dans date 26 octobre qui vient là.